your first feature film and Oscar entry. It's huge. How do you feel? T'as compris que c'est oui, oui, oui. Ouais. Bon, je parle en français et tu traduis, comme c'est tu ça? Veux. Oui, oui, parce que ça ira plus vite. Oui, je dis que c'est une grande fierté de représenter la Belgique aux Oscars, parce que c'est un film 100% belge qui a été financé des deux côtés, des deux communautés, et ça, c'est très important pour moi. Et voilà, je suis très fière de ça, très fière de mettre en avant mon pays aussi par un film qui a une certaine radicalité. Et voilà. Okay, yes, I'm extremely proud of this, of representing Belgium, especially because you may not know, but Belgium is two languages, two communities, French, Dutch speaking. But this film is actually a very Belgian production because it has money from both sides. The actress who plays the teacher, she's Dutch speaking, she's Flemish, but then all the others are French speaking. So, you know, it's really important for me to represent my country with a film that's 100% Belgium. And of course, you know, to be able to be there representing my country with a film that is so radical in a sense. So that's actually one of the topics I wanted to touch, because I thought the film was going to be in Dutch, but yeah, it was French. Elle pensait que le film serait en flamand, mais qu'il est en français. Ah, c'est vrai que c'est une bonne question. Oui. Mais bon, parce que moi, je suis plus francophone que néerlandophone. Donc, disons que j'appartiens plus à cette communauté, mais c'était une volonté de quand même mettre l'autre communauté en valeur par le fait qu'il soit subventionné, par avoir une comédienne flamande qui parle français, certes, mais c'est aussi pour montrer que à Bruxelles, il y a des Flamands qui peuvent très bien parler français dans des écoles francophones, et aussi l'équipe technique aussi, une équipe technique aussi flamande. Chef déco, c'était flamand, chef costume flamand. Voilà. Okay, well, actually, you know, Laura is French speaking. That's the case of, just like, this is my parenthesis, that like most of Brussels is actually French speaking, even though it's in Flanders. And the school is in Brussels in the film. But of course, like they are both communities, and it was important for me to have this Flemish speaking actress in this film speaking French. But also, like, if you think about all the technical jobs and everything, like the c'est le chef déco qui était flamand. Chef déco, chef costume. Yeah, the costumes, the decorators, all these hats were actually Flemish speaking. Talk a little bit about the camera work. I was kind of surprised on the way that the cinematography, because there seems to be so much focus just on Nora in this case, although there would be, like, you can tell because of voices that there would be other stuff going on in the background. Can you tell me about that? Donc, c'est parler du travail de la caméra, c'est ça, hein? Oui. Cette idée de filmer à hauteur d'enfant a toujours été présente, toujours, dès le début de l'écriture, parce que moi, j'écris en images, et donc c'est venu naturellement. Je me suis dit, c'est la meilleure manière pour immerger le spectateur. Parce que c'est ça ma volonté avec ce film, c'est de l'immerger et de le renvoyer à l'enfance, et à qu'est-ce que c'est que d'être un enfant pour la première fois à l'école. Et je me suis dit que c'était la meilleure manière de... Je vais déjà te laisser traduire ça, après je continuerai. Okay, so actually there was always my purpose to film at the level of a child. Even when I write in pictures. It was really my idea to immerse the audience in the experience of going back to school and to live again
that feeling of being in school for the first time. Et aussi que j'avais envie de travailler avec le hors-champ. Mm-hmm. Et donc de pas forcément tout montrer, de rester focalisé sur le visage de Nora, qui est finalement un réceptacle du hors-champ. Bon, bonne chance pour traduire ça, mais... Okay, and what was really important for me as well is to work with all the things that are actually out of the frame. So all these things that you don't see it, that you can only imagine, that are not shown. And these are actually all concentrated on Nora's face, and her expressions should tell what is happening out of the frame. En fait, her expression is the reflection of the out of the frame. Yes. Her face is the reflection. Mirror of what's yes. happening yes. out of the frame. Et parce que le hors-champ, ça permet que le spectateur participe et qu'il projette des choses de lui. Et ça, c'est très important pour moi en tant que cinéaste. Because this, well, these things that are not shown make the audience participate actively in the film. And that is really very important for me, that the audience participates. It offers the place to participate. The out of the frame, it offers the place to feel and to imagine. And for me, it's very important that the viewer can live with his or her body, maybe more than with his or her head. And I got that from the scene where Nora's hugging her brother. That scene was just, that's what you're explaining right now. I think that's what I got mainly from that scene, which was brilliant. Because the cinema is not only intellectual things, it's also sensorial. Yes, it's very important for me. And now, where did you get this gal to play Nora? Because she was great. Où t'as trouvé Nora? Bah simplement un casting. Donc on a organisé un casting et donc elle est arrivée et déjà la première chose qu'elle m'a dit c'est je veux donner toute ma force. Et ça, je sentais qu'il fallait une enfant qui soit déjà très volontaire parce que tout le film allait reposer sur elle et je savais que si je me trompais avec elle, le film, il allait être foutu. Donc déjà ça, ça m'a déjà fort touchée. Je te laisse déjà traduire ça. Okay, well, actually, we went through a regular casting process. We saw like lots of little girls, but then she arrived and she said immediately to Laura, I want to give all my strengths to this film. She was 7 at that moment. Yes, she was 7. And you know, she immediately said that, and Laura knew that she needed that for her film. She needed somebody like her, and also, you know, she knew that if she would make a mistake in casting the little girl, the whole film would just fall apart. Et alors, quand elle est arrivée devant la caméra, j'ai vu que son visage pouvait, en faisant rien, elle pouvait exprimer énormément. En fait, la caméra, elle est très cinématographique, en fait. Mm-hmm. Okay, so, and when she, when I put her in front of the camera, I immediately felt that her face could tell a lot of stories, and she really... like has a very cinematographic face. It's the strength of the camera. It reveals what it's impossible to see without camera. She had one of the lines that said, when you help people, it gets worse. Is that pretty much a way of saying how some kids sometimes see things or the way they are seeing things in life? J'ai pas très bien compris ça.
Bah, le truc, parfois, quand tu essayes d'aider les autres, ça devient pire, je ne me rappelle plus. Mais elle dit, est-ce que c'est quelque chose, c'est une manière dont tu vois les choses et aussi, enfin voilà, dans la vie en général. Oui, oui. Mais que c'est en fait, c'est assez compliqué d'aider l'autre, comme l'autre voudrait qu'on l'aide. Parce que parfois, on a l'impression d'aider, mais en fait, c'est pas ce que l'autre attend. Et c'est tout est une question de perception en fait. Okay, I think it's really hard. It's really complicated to help other people, because you cannot always help somebody else the way he or she wants to be helped, and that's really the complicated part in life. So to start wrapping up, It's a question of perception. Yes. Yes, de la personne qui veut être aidée peut vouloir être aidée d'une certaine manière, mais l'autre qui veut l'aider par son action, ça peut être pire finalement. Je sais pas si. Okay, so the person who wants help. Might want help in a certain way, but then the person who helps because of his or her action can make things worse in a certain way. I see. And so this film is pretty much, you know, this little girl torn between, and it says, between a children and adults world. Overall, what do you hope viewers take away from this film? Donc, qu'est-ce que tu espères que les spectateurs vont retenir du film? Ouais, bah, que quand ça c'est en fait quand un enfant est violent, que c'est pas pour rien qu'il est violent. C'est que c'est une réaction à quelque chose ou c'est une souffrance en fait, la violence, souvent chez les enfants et chez les adultes aussi. Et voilà, et simplement, face à la violence, peut-être dis déjà ça. Okay, well, what I want to say is that violence has always an origin. It doesn't come from nowhere. And often it comes from suffering, both for children and adults. There's always a source and mostly it's their own suffering. Et le fait de réagir par la violence, moi j'ai un peu la conviction que ça ne peut qu'empirer, mais que la vraie force ce serait de réagir avec de la bienveillance. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui peut s'arrêter, voilà. And so, of course, when you react with violence, it only makes things worse. But then, you know, with you could react with kindness, then of course then you stop the vicious cycle, but yeah, that's the hard part. Well, I'm still curious what it was with Abel for not sticking up for himself. Then we got to see Nora transition and through those different stages of feeling, but not Abel for not defending himself. That's the whole time where I was very curious. Pourquoi est-ce qu'Abel se défend pas? Pourquoi est-ce qu'Abel se défend pas? C'est, ben, parce qu'en fait, mais déjà, il a peur que ce soit finalement que ça, en fait, que ça retombe sur sa sœur. Et que, en fait, lui, il a envie de garder le silence par rapport à ce qui lui arrive, parce que, déjà, il a peur que ça s'empire, la première chose. Il ne veut pas que son père s'en mêle, parce qu'il sait que ça va s'empirer, deuxième chose. Et troisième chose, il a peur que ça cause du préjudice vis-à-vis de sa sœur. Et quatrième chose, il a honte de ce qui lui arrive. Voilà. Well, first,
No, he doesn't want to speak about it. And mostly because he's afraid that it's going to make things worse. He's afraid that if he speaks to his father, it's going to make things worse. And also, somehow he wants to protect his sister because he thinks maybe, you know, if he says anything, she's going to suffer. And then also there's another ingredient is that he's simply ashamed. Shame is also part of the story. Et il a, en fait, il a honte de plus pouvoir incarner le grand frère protecteur. He's ashamed of not being able to be the protective older brother. That's why silence. Sorry? That's why the silence with him, right? Yes. Well, thank you so much for your time and talking about Playground. Good luck. Thank you so I'll much. Be cheering for you guys. I enjoyed the film, and a lot is covered in that film for sure. Thank you. Thank you very much. Have a good day. Thank you.